Défini selon le sociologue Max Weber comme la capacité de faire et de faire faire, le pouvoir mobilise plusieurs niveaux de management autour d'une vision. Au Cameroun comme en Afrique subsaharienne, il a toujours existé une proximité entre le pouvoir politique hérité de la colonisation et le pouvoir détenu par les hommes politiques africains qualifiés de chefs traditionnels. L'acception de ce type de pouvoir la plus connue est pouvoir traditionnel. Et ce pouvoir traditionnel s'objectivait sous trois principales modalités. La première modalité, c'est celle qu'on a appelée les sociétés à État. C'était vraiment des États avec tout cela, avec tout ce que cela comporte, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, mais également avec les appareils, ce qu'on appelle les appareils idéologiques, appareils répressifs. Donc ça, c'était les États traditionnels, les sociétés à État. Au Cameroun, on retrouvait ce type de société-là dans la partie septentrionale, ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Nord, mais également dans la partie occidentale, ce qu'on appelle le Grand Ouest, c'est-à-dire l'actuelle région du Nord-Ouest et la région de l'Ouest. Donc c'est là-bas qu'on retrouvait les États. Et à côté de cette forme d'organisation politique, on avait les sociétés à lignage. Les sociétés à lignage, sociétés lignagères, segmentaires. Le mot lignage vient de ligner, donc de la consanguinité. Donc c'était des sociétés qui avaient une forme d'organisation politique, on dirait horizontale. Il n'y avait pas de verticalité là. Et c'était une organisation vraiment très, très frugale, très, très simplifiée. Et à côté des sociétés lignagères, segmentaires, il y avait les sociétés à bande. Les sociétés à bande, c'était des très petites formes d'organisation politique qui existent encore aujourd'hui chez les Pygmées. Chez les Pygmées, c'est les sociétés dont la taille varie entre 25 et 150 membres, qui sont essentiellement nomades, essentiellement nomades. Donc voilà donc les formes de société, les formes d'organisation politique qu'on avait avant l'arrivée des Blancs, qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir traditionnel. L'avènement de l'administration coloniale transforme la plupart de ces sociétés en chefferies dites traditionnelles, telles qu'indiquées dans la Constitution. Leur fonctionnement est alors adossé sur la dite constitution que les populations ambiantes n'assimilent pas toujours. Organisation politique, mandat ou composition de la chefferie sont des éléments présents dans les sociétés africaines d'avant la colonisation. S'agissant de l'existence du mandat dans les chefferies dites traditionnelles, l'anthropologue Paul Abouna évoque la notion de septennat rituel. Il y a ce qu'on appelle en anthropologie politique le septennat rituel, dont au bout d'une période de 7 ans, on tuait le chef, le régicide, c'est le terme consacré, on tuait le chef au bout d'une période de 7 ans. Et ça permettait que le maximum des candidats aient la chance d'accéder un jour au trône. Et on a obtenu ce régicide-là dans beaucoup de sociétés, les sociétés Tika et même dans les sociétés de Grassfield. On tuait effectivement le chef. Et avec l'évolution du temps, c'est-à-dire l'inclusion de l'État colonial et surtout des églises, ce régicide-là a été suspendu et elle a été remplacée par un régicide symbolique. Donc on tue symboliquement le chef et puis on lui redonne le pouvoir. Le mandat était lié au vitalisme. Le vitalisme, c'est quoi? C'était l'énergie vitale qui permettait au chef de pouvoir gouverner, c'est-à-dire de rendre sa société prospère, qu'il n'y ait pas de guerre, que les forêts soient giboyeuses, que les femmes puissent procréer, que les récoltes soient abondantes. Et avec le temps, cette énergie vitale a diminué. Et lorsqu'on se rendait compte qu'elle a substantiellement diminué, on tuait donc le chef et on le remplaçait par quelqu'un d'autre qui avait le plus d'énergie vitale. Donc l'État traditionnel avait une forme d'organisation politique qui était indépendante des apports, des influences extérieures, en ce qui concerne même l'organisation de l'État. On vous a dit, dans cet État-là, il y avait des appareils qui légiféraient, il y avait des appareils qui jugeaient, il y avait des appareils qui sanctionnaient,
il y avait des appareils qui gouvernaient. L'une des dispositions, il y avait aussi un mécanisme d'accession au sommet de cet État-là. Et ce mécanisme-là était essentiellement héréditaire. Donc il fallait appartenir à une lignée pour accéder à ce pouvoir-là. Mais l'une des spécificités de cet État-là était que ceux qui étaient élus ou éligibles, non, ceux qui étaient éligibles au poste de chef de l'exécutif étaient totalement exclus de la gestion quotidienne du pouvoir. Donc les princes qui étaient, ils étaient complètement mis à l'écart de la gestion quotidienne du pouvoir. En revanche, ceux qui étaient exclus de l'accession au poste de chef, c'est eux qui géraient le pouvoir au quotidien. C'était eux les patrons de l'exécutif. Et ils faisaient également partie de ceux qui choisissaient le nouveau chef. La plupart des cas a toujours été simplifié. C'est le critère d'exclusion de la gente féminine dans la prise de décision. Bien que son avis soit fondamental dans la gestion du pouvoir traditionnel, la positionner comme actrice principale de gestion était chose impossible. Tout simplement parce que ce pouvoir-là avait une dimension sacrée. Et il y a des éléments dans la physiologie de la femme qui l'excluent, qui ne l'habilitent pas à l'exercice du pouvoir. Et je dois préciser que ce n'est pas une spécificité de nos pouvoirs traditionnels. Vous verrez par exemple que dans beaucoup de rites religieux, les femmes sont exclues. Si je prends le cas de l'islam, vous verrez que les femmes sont exclues d'un certain nombre de pratiques religieuses du fait de la physiologie de la femme. Si je prends l'Église catholique romaine à laquelle j'appartiens, vous verrez que les femmes sont exclues de l'ordination. Une femme ne peut pas être prêtre. Les femmes sont exclues de l'épiscopat. Une femme ne peut pas être évêque. Les femmes sont exclues de la papauté. Une femme ne peut pas être pape. Et si vous prenez également un domaine comme la cuisine, la grande cuisine, la cuisine professionnelle, vous verrez qu'il y a des mets qui ne peuvent pas être, confectionnés par des femmes. Et les spécialistes expliquent ça trivialement par le cycle menstruel de la femme qui a tenu un certain nombre d'effets et qui, par conséquent, l'exclut donc de l'exercice de tout ce qui se rapporte à ce que je venais de vous dire là. Donc ça, c'était une spécificité. L'autre spécificité, qui a d'ailleurs été mise en relief par Tchekanta Diop et suffisamment documentée avec lui, c'était l'appétit. L'appétit était au centre du pouvoir politique traditionnel. L'appétit, P-Y-T-H-I. Oui, c'est l'oracle. C'est la vision, c'est l'oracle. Le gouvernement par l'oracle. Donc le chef ne pouvait pas gouverner sans avoir une force qui lui permettait de voir le futur, de voir l'avenir. Donc ça, c'est une spécificité. L'autre spécificité, c'est que tous les pouvoirs politiques traditionnels négro-africains étaient des pouvoirs qui admettaient en leur sein la caste d'esclaves. Donc il y avait des hommes libres, mais il y avait également des esclaves. Bon, il y a également une autre disposition qui voulait que tout pouvoir soit gouverné par un couple royal, c'est-à-dire le roi et sa mère. Dans une approche de politique coloniale, précisément dans le système démocratique, les chefs sont appelés à renouveler leur mandat comme l'indique la Constitution et à céder à d'autres chefs lorsque leur mandat est arrivé à expiration. Mais lorsque la désignation se fait selon le pouvoir traditionnel, les choses semblent se passer autrement. Il existe donc un rapport de haut et de bas entre le pouvoir traditionnel et le pouvoir politique hérité de la colonisation, le premier contact étant de nature conflictuelle. Ce premier contact-là illustre la conflictualité entre l'État européen qui a pénétré l'Afrique et les États traditionnels qu'ils sont venus trouver ici sur place. Et si on pousse la réflexion plus loin, longtemps même après les impérialismes, les grands résistants étaient toujours les chefs. Charles Atanga était un chef, Njoya était un chef. Donc il y a vraiment eu cette conflictualité-là. Et à côté de ce premier moment de conflictualité, il y a eu un deuxième moment. Un deuxième moment, c'était après les indépendances. Après les indépendances, les nationalistes
qui avaient combattu, qui avaient obtenu les indépendances à la suite des combats ardus, avaient accusé l'État traditionnel d'être de connivence avec le colon. C'est pour ça que dans certains pays, les chefferies traditionnelles avaient été abolies par l'État. Et l'exemple le plus illustratif était celui de l'Ouganda, où Milton Obote avait suspendu, dit vraiment, nous ne voulons plus des États, des États, parce que l'État a été complice de l'État a été complice de la colonisation. Il y a également une autre opposition sibylline qu'on peut observer entre le pouvoir traditionnel et l'État. Mais cette opposition-là a été normée, elle a été légiférée au Ghana. C'est-à-dire l'État traditionnel et l'État postcolonial sont, je dirais, évoluent dans une forme de parallélisme. C'est-à-dire si vous occupez un titre traditionnel, il vous est impossible d'avoir un titre électif ou de nomination au niveau de l'État. C'est-à-dire vous ne pouvez pas être chef traditionnel au Ghana et être député ou sénateur ou même ministre. C'est-à-dire cela a été clivé par la loi. Mais à côté de cette opposition larvée ou réelle, nous avons quand même des situations où l'État a été très connivante. L'État traditionnel a été connivante avec l'État. On vous a cité tout à l'heure. Lorsque les colons arrivent, ils ont donc profité des chefferies des États traditionnels qui leur étaient favorables pour faire le travail pour lequel ils étaient venus. Et là où il n'y avait pas d'État, ils créaient ces États-là de toutes pièces avec un certain nombre d'attributions. La collecte de l'impôt, le renseignement, la justice, c'était des formes de tribunaux. Donc voilà un peu. Et puis, cette connivence-là a assujetti l'État traditionnel à l'État postcolonial. Les systèmes politiques gagneraient à intégrer certains paramètres de gestion du pouvoir traditionnel pour plus d'efficacité à l'endroit des gouvernés, mais aussi des gouvernants. Cela permettrait de situer l'efficacité des autorités préfectorales et autorités dites traditionnelles, chacun selon son terrain d'administration.